Yo les amis, c'est Neosia, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment cool, vraiment cool pour nous les hommes, hein. 10 femmes les plus sexy au monde. Si votre copine n'est pas dans ce classement, eh ben, j'ai rien à dire, voilà, allez lui refaire une teinture. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous laisse mettre un max de likes. Voilà, s'il y a plus de 1500 likes sur cette vidéo, eh ben je referai un autre top 10, c'est que vous aimez bien les top 10, donc je pourrais faire beaucoup de choses, hein. J'ai beaucoup d'inspiration. Dites-moi en commentaire pour vous c'est laquelle la plus belle de ce top 10. Voilà, parce que ça se trouve que la première pour moi est magnifique, que pour vous c'est une merde, une grosse merde. Donc à la 10e place c'est Katy Perry. Donc commencez pas à m'insulter si vous êtes fan d'elle, hein. Elle est belle, hein. Elle est très très belle. Mais voilà, à la 10e place Katy Perry, c'est normal. Attendez de voir la fin, vous allez voir ce qui arrive, hein. En 9e place, donc Jessica Alba. Vraiment magnifique, hein, y a rien à dire. Mais en 9e place, c'est tout. En 8e place, Sarah Sampaio. Donc elle, je ne la connaissais pas du tout, hein. Je l'ai découvert après une petite recherche. Si vous voulez faire du carwash, laver votre voiture intacte, hein, un truc de ouf, et ben vous pouvez l'appeler. Voilà, j'ai une petite photo bonus. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. En 7e place, voilà, Candice Swan Poel. Donc elle, oui, je crois là je vais me faire insulter. Mon top 10 il est minable. Oui, je suis désolé, elle est en 7e place. Elle est magnifique, c'est une dinguerie. Mais voilà, c'est la vie, attendez ce qui arrive après. Vous allez voir, c'est là, il y a une star qui regarde ma vidéo et elle se voit dedans. Et après elle me contacte, et ben contacte-moi, il n'y a pas de souci, on pourra discuter. Même si t'es 10e, Katy Perry, voilà, t'es quand même belle. Alors en 5e place, Miley Cyrus. Donc vraiment magnifique, hein. C'est une dinguerie, on va pas se mentir. Mais je la préfère quand elle est en Hannah Montana, hein. Quand elle est vraiment en Miley Cyrus, c'est un autre délire, hein. Je peux vous montrer si vous me croyez pas. Miley Cyrus, c'est tout. Hannah Montana. Il y a quand même un changement, hein. Donc Hannah Montana, tu es à mon top 10. Miley Cyrus, tu es dans mon top 20. En 5e place, donc là ça commence à faire lourd, je vous le dis. Adriana Lima, voilà, 5e place, bien joué à toi, hein. Bon, c'était pas trop dur en même temps. 4e place, Emma Watson. Elle est vraiment belle, mais au niveau du sexy, voilà, il y a quand même mieux. Maintenant, on va rentrer dans le top 3. Donc là, c'est le podium. Je peux vous le dire que là, il y a du lourd, du lourd. En 3e place, voilà, c'était évident, hein, qu'elle est dans le top 10. C'est sûr et certain, Selena Gomez, voilà, magnifique. Une personne qui me dit qu'elle est moche en commentaire, t'as un problème de vue, mon pote. C'est obligé, hein. Optique 2000, ils t'ont fourni des lunettes. Pas pour toi, c'est pas optimal. Voilà, une autre photo pour vous, c'est un petit bonus, hein. Alors, en 2e place, Emily Ratajkowski. Voilà, c'est un petit peu compliqué à épeler, mais bon, c'est pas grave. Voilà, 2e place, c'est une dinguerie encore une fois. Oui, je suis désolé pour les photos, mais j'ai dit femme sexy, hein. J'ai pas dit femme au lit, non, femme dans la cuisine. En première place, voilà, bien joué à 3. À 3, non, pas à 3, à 2. Voilà, en première place, Kelly Brook. Voilà, c'était évident, allez, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Plus la photo, c'est une dinguerie aussi. Tu es en première place, Kelly Brook, donc je suis désolé, hein. J'ai rien à t'offrir, c'est la hesse. Donc voilà les potos, c'était vraiment une vidéo pour rigoler, pour délirer ensemble. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal, hein. Ça fait de bien à nos yeux quand même. Si vous aimez les genres de vidéos comme ça, des vidéos vraiment où on se tape des barres, qu'on regarde des petits top 10 qui sont pas vraiment fréquents partout, hein, parce que je crois qu'il y a que sur ma chaîne qu'à toutes les vidéos je parle de meufs, hein, mais c'est pour rigoler. En tout cas, je vous laisse mettre un maximum de likes, partage, dislike comme vous voulez. Voilà, je vous kiffe. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!